السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ان شاء الله ان اكزرسيس بابا ان اكزرسيس دو ميتري، نظرا للطلب ديال بعض الاخوان في القناة بانني نوضع دي اكزرسيس دون لا بارتي دو ميتري. وان شاء الله غادي نبداو بهذا الاكزرسيس هذا. C'est un exemple normalement d'un mur de clôture. Comme vous voyez, ça c'est la vue en plan, donc ou bien c'est la coupe longitudinale du mur de clôture qui est offert à la, le béton de propreté, semi-filante et un mur. Un mur soit en brique creuse, soit ou bien soit en bloc, ou bien soit en aglon, ou bien en parpaing. Donc ça c'est la coupe, la coupe d'Ienna, la coupe d'Ienna. Ok, compte déjà au date de la première partie du plan d'architecture, les cotations intérieures et extérieures. Au date de la première partie, ou comme ça dit, la deuxième partie, mais il y a la deuxième partie, le plan d'architecture, les cotations extérieures et intérieures. Comme on a déjà les cotations, on a déjà vu les cotations extérieures. Donc, comme l'exercice dit, non. Donc, ici, c'est une coupe. De notre mur de clôture, comme vous voyez, béton de propreté, semelle filante et le mur. Donc pour la largeur de blé ou bien de terrassement d'Ienna, la largeur de la fra est 1,20 et la hauteur ou bien la profondeur, comme vous voyez, de semi-filante c'est 50, le béton de propreté c'est 10 et l'empattement dans les deux parties c'est 10. La largeur de semi-filante c'est 1, la largeur du mur c'est 60, ainsi de suite. Donc la longueur totale du mur c'est 10, donc 10 mètres c'est la longueur totale, et la hauteur de mur c'est 4 mètres comme vous voyez. Donc la première question c'est le terrassement, calcul de terrassement et calcul le volume de déblé. Donc je calcule le volume de déblé d'Ienna, fait un croquis, donc il y a la profondeur d'Ali, volume de déblé d'Ali pour calculer le volume là, le croquis là en perspective, on a une cansorbe bid ou kanksab chi mouchkil. Perspective d'Ali a dit qu'on normalement comme ça. Donc niveau dit le sol ou bien la terre végétale, on a dit au niveau du sol végétal ou bien le niveau terre végétale, niveau terre végétale a dit qu'on a dit. Donc on a dit qu'on a dit la construction du mur d'IL. Donc on a dit le croquis, la hauteur du semi-filante c'est 50 cm bien sûr. Et ici, 10 centimes. C'est 10 centimes. Pour faciliter normalement la compréhension. Et pour la largeur du semelle, de semelle filante, c'est une semelle filante. Ici, on a dit, on a 60. 60 cm. La largeur totale, c'est quoi? La largeur totale ici, c'est 1 mètre. Et il y a ici un empattement pour de 10 cm
de chaque côté pour le béton de propreté. On pâte mou de 10 cm pour chaque côté. Pour la première côté et pour la deuxième côté, c'est l'empattement de béton de propreté et ici 1 mètre de largeur, comme vous voyez. Donc c'est ça notre perspective et notre croquis. Donc on voulait demander de calculer le volume de déblai, le volume de déblai, ou bien ce qu'on appelle le volume de terrasse. Le volume de terrassement. Donc avant de calculer le volume de terrassement, on va donner quelques détails. Pour les unités utiles en mètres. Donc les unités utiles ou bien les unités pardon utilisées en mètres. Donc les unités employées sont. On a pour les ouvrages pour les ouvrages à la pièce, les formes l'ouhida, les ouvrages à la pièce, c'est l'unité. L'unité. Donc, un semblant l'unité, utiliser l'unité pour les ouvrages à la pièce. Pour l'unité dialogue, c'est unité. Pour les longueurs, c'est le l'unité utilisée, c'est le mètre. C'est le mètre. Ce sont les unités utilisées dans le mètre. Pour les surfaces. Pour les surfaces. Les surfaces. Donc, c'est le mètre carré. Le mètre carré. Ça, l'unité. Pour les volumes, pour les volumes, pardon, les volumes. Le mètre cube, le mètre cube, mètre cube comme ça. Pour les poids, ça c'est le mètre cube dans les volumes de béton, les volumes de terrassement, des blés, remblés, volume de béton, béton par exemple semelle, béton des potons, béton des poutres, béton des longrines, béton des chaînages. Et ainsi de suite. Pour les poids, c'est le kilogramme. Le poids, l'unité utilisée, c'est le kilogramme. Kilogramme. Comme le calcul des ferraillages, le ferraillage complet d'un bâtiment quelconque ou bien d'un projet quelconque, c'est l'unité utilisée. C'est quoi l'unité utilisée? C'est le kilogramme. Bien sûr, c'est le kilogramme. C'est ça la bonne unité utilisée. Et finalement, pour les tons, pardon, pour les tons.
Donc l'unité utilisée, c'est l'heure. L'unité utilisée ici, c'est quoi? C'est l'heure. Donc c'est ça l'objectif normalement. Et les unités utilisées, c'est comme ça. Donc pour les ouvrages à la pièce, c'est l'unité. Pour les longueurs, c'est le mètre, donc m. Pour les surfaces, c'est le mètre carré, m au carré. Pour les volumes, c'est le mètre cube, m cube, m3. Et pour les poids, c'est le kilogramme, comme le cas de calcul de ferraillage complet d'un projet quelconque, ou bien d'une construction quelconque. Et finalement, pour les temps, c'est l'heure h. Donc on revient à notre exercice. Donc maintenant, si je partage le vidéo ma n'oubliez pas de partager le vidéo avec vos amis pour comprendre l'exercice. غادي نحاول نقسم هذا الاكسرسيس على دي بارتي باش ما نطولش الفيديو بزاف، لان كاين بزاف الشروحات ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو نحللوها في هذا الاكسرسيس اونصومبل. دونك حاولوا تبارطاجيو الفيديو افيك فو زامي، وما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. دونك لوبجيكتيف la question, il y a le calcul de déblai ou bien le volume de déblai. Donc on a le croquis, on va essayer de faire des parties dans la vidéo pour que je ne me trompe pas et pour que je puisse aussi le mettre sur le donc on va essayer de mettre aussi la deuxième partie des plans d'architecture, inch'Allah, les cotations extérieures et intérieures.